Ah bah c'était ça. Ah c'est ça qu'il fallait voir. Ouais. Ça y est, on l'a vu. Attention, attention à la marche. Oula. Non, arrête, 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 arrête. Tu fais toujours des vidéos quand je suis énervé, quoi. Toujours. En fait, c'est là que tu peux venir. Ah ouais, mais moi je me baigne pas là. Ils sont en train de faire une photo devant. Eh, c'est le moment de se casser. Ça y est. Ils nous abandonnent. Grèce, Mashallah. Non. Grèce, Marrakech. 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 Ça, c'est pas Mashallah du tout, ça. C'est pas Mashallah. Il est loin, Mashallah. Il est loin, Mashallah. On est passé devant un monument qu'on devait plus ou moins visiter. Ah oui, tu fais demi-tour. Bon, de toute façon, il fallait que je fasse une petite pause. Ça va pas être très long. Et Loïc fait « Ah, oh, on est passé devant !» Ah, c'était vite fait. Hein. Non, on va peut-être pas faire demi-tour là. Hein. Il y a une sacrée marche quand même. On arrive, du coup, il y a des bras de mer de part et d'autre. Qu'est-ce que tu fais ? On fait demi-tour. Ah d'accord, comme ça. Mais bon, en même temps, descend une droite, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est un peu marécageux ici. C'est... On va vous montrer ça quand même. Non, bah heureusement qu'on ne s'est pas non plus dit il faut absolument qu'on aille voir ça parce que sinon je pense ouais, qu'on aurait été un petit peu dégoûté. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah c'était ça. Ah c'est ça qu'il fallait voir. Ouais. Ça y est, on l'a vu. C'est ça. Oui c'est ça. C'est ça qu'il fallait voir. Ah bah ça y est, on l'a vu. Ah c'était pas. Ouais, je me suis dit ah, c'est sur la route, c'est bien. Il y a des cahutes, il y avait des soldats grecs là, habillés en blanc et noir. Là. Ils sont partis se perdre la pluie, je crois. Ouais, ouais, on a un temps. On va les voir quand même. Hein, de toute façon. On l'a vu. Ouais. C'est génial. Hein. C'est superbe. C'est fermé. C'est fermé. Voilà. On pensait qu'on allait pouvoir marcher. Non, c'est des petites cahutes là. Ouais, voilà pour voir un petit peu comment c'était fait. Et on les voit de dos. Bon, bah, c'est raté. Et Arthur, elle a dit oh, ça reste des tas de foin. Ça reste des tas de foin, ouais. Non, par contre, ce serait bien qu'on aille au bord là-bas. Il y avait la petite chapelle, ça a l'air sympa. C'est mignon quoi. Il y a du foin par-dessus, mais la paille. Mais ouais. Il y a une base en dessous. J'aimerais bon. Plus savoir en bois. On va voir, ouais, je sais pas, ouais. Ouais, mais non, puis il y a une barrière, elle est fermée. Du coup, lui qui est en train de traduire. Voilà, c'est le bord de route là. On voit pas beaucoup mieux. Hein. C'est dommage, ça doit être sympa de les voir, mais là. Pas moyen, c'est fermé. Bon du coup on rentre vite parce que franchement je vous disais ça caille quand même en Écosse. Non, chapelle. Chapelle en Écosse. Chapelle. Chapelle. Aussi en Écosse. Non. Il fait déjà. Donc pour la Grèce on est en Écosse. Servi quoi. Non, en Écosse, oui, ouais, dans la bah en fait vu le paysage montagneux voilà. Les nuages tout ça, on se croirait en Écosse. C'est bien ça en projet mais bon ça serait quand même pas mal qu'il fasse un peu meilleur, donc on essaye de rouler pour avancer un peu, pour choper le beau temps le plus vite possible, parce que là franchement... Bah c'est surtout qu'il fait pas beau, donc on en profite pour descendre quoi. Rouler, voilà. On roule. Il fera beau, on roulera plus. Ah ouais, après on va se poser. On dit tout le temps après on va se poser, mais en fait on se pose rarement. On a fait nos premières courses grecques. Dans une. Alors je pense que c'est quand même une petite supérette. Je ne sais pas.
Mais alors les prix, bah évidemment c'est pas la Turquie, ça on s'en doutait, mais c'est assez cher quand même. Hein. Donc du coup on a un petit peu fait le tri de ce qu'on prenait parce que je savais pas si c'était du prix supérette ou si c'est vraiment tous des prix qui sont pas pratiqués en Grèce. Comme on est un peu dans la banlieue de la ville, mais bon c'était quand même assez grand. Mais quand tu vois en fait le tapis, la taille du tapis où tu peux poser tes courses, ça fait plus supérette quand même. Donc on a pris vraiment les 2-3 trucs pour dépanner, mais rien que les 2-3 trucs, le sac on a eu pour 20 balles. Ça fait bizarre. Il va falloir qu'on se réacclimate hein, parce qu'en plus on n'est pas encore arrivé en France, donc déjà rien que là ça pique un peu. Et rien que, enfin voilà, un cappuccino, un truc comme ça, les produits, même les fruits et légumes, ils n'étaient pas si donnés que ça. Bon, on verra bien, on va voir au fur et à mesure. Et donc j'ai pas pris tout ce que je devais prendre comme l'huile d'olive, tout ça, parce que je me suis dit que je comparerais avec les autres, sur, les autres magasins qu'on ferait. Donc, bon, au moins comme ça, on a fait une promenade dans un magasin grec. Alors pour retrouver les produits, je vous dis pas, je crois que c'est même pire que le turc, parce que les lettres, c'est des lettres grecques, c'est un pur bonheur. Donc heureusement qu'il y a le translateur, mais encore le translateur il fait pas tous les produits. Hein. Donc bon, on va se marrer je crois en Grèce pour trouver les produits, on va avoir des surprises. Tu fais toujours des vidéos quand je suis énervé. Toujours. Pourquoi t'es énervé? Parce qu'il y en a marre de ce temps de croque là. On est trempé. Mais allez. Le veston là, il est ouardé. Ouardé. Fallu que je le Normand vénère. Hein? Le Normand il est vénère. Non, non. Si j'étais en Normandie, je saurais qu'il fait pas beau. Là, j'ai pas traversé l'Europe pour qu'il pleut. Pour qu'il pleut. Ah oui, c'est normal ou c'est pas normal? Ouais, ouais, okay. Bon, il pleut, ah, il pleut, il pleut. Mais non, il a fallu que je monte sur le toit, enlever le chapeau pour la cheminée. Parce que bah, forcément, qui dit pluie, dit vent. Qui dit vent, dit ça rentre dedans, il n'y a plus assez de tirage. C'est le brin. Non, sérieux, on n'en a rien entendu. Un temps dégueulasse. Moi je vais vous dire, je vais rouler là. Là je fais demi-tour sur le spot, je vais rouler, je vais arriver sur une route. Je vais rouler jusqu'à temps que je n'utilise plus mes essuie-glaces. D'ailleurs, je vais en mettre un coup. Hein? Voilà. On va rouler jusqu'à temps que. Et puis s'il faut qu'on arrive, je sais pas moi, il fait beau où? En Égypte? On ira en Égypte. Ça y est, ça fait du bien. C'est classe. Mais en plus, une vue comme ça, il pleut! Non, j'avais pas fini en fait. Alors, il avait pas fini, pardon. Ouais, voilà, on a ça. Et puis, bah. En fait, on a eu une journée de beau depuis qu'on est arrivé en Grèce. On est arrivé en Grèce quand? Quand il a commencé à pleuvoir. On est arrivé en Grèce! Mais dimanche. Non, on a eu deux jours de beau. Non, on n'est pas arrivé dimanche, on est samedi. Non, on est dimanche. Oh! Ça fait une semaine qu'on est là. Bref. On est arrivé en début de semaine. On a passé la frontière et tout ça. Voilà. On a eu deux jours de beau. Ouais, non, c'est vrai. Le deuxième jour, le jour où on est arrivé, et le lendemain, il a fait beau. Et depuis, c'est ça. Ça fait la condensation. Du coup, le chien, il est mouillé. En plus, il pue. Ça chien mouillé, hein? Ça sent le chien mouillé, quoi. Tu sens pas bon en plus. Non, t'es mouillé. Non seulement il aime pas l'eau et en plus, il chlingue. Bon, allez. On va voir les sources d'eau chaude. Bah ouais. Du coup avec l'eau de pluie elle est peut-être tiède maintenant. Ouais, on va aller voir. Il va sécher un peu, ça ira mieux après. Oh non, j'ai eu peur. Y'a rien. Non. C'est juste que c'est sous l'eau quoi. Non, sinon ça va, il pleut pas trop en ce moment je trouve. Le mec, la route de base, oui, bah en plus elle est pas méga entretenue, vous voyez les côtés là, ils sont un peu mangés par la végétation. Après ça a l'air d'être tranquille là. Ça va, moins ça va. Ouais, plus ça va, moins ça va. En fait ils ont à la base une belle route quoi, mais... On branche là-haut, on peut couper les branches. Déjà ça mène nulle part, il y avait Oui, 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 hein, une voie sans issue. Il nous reste 600 mètres. On se rappelle les 2 km qu'elle avait dit en marche arrière. En effet, il y a du monde. Il y a de quoi peut-être faire le tour. Ah non, même pas. Ouais. Il y a l'air d'avoir du monde. Ah, c'est vraiment un cul-de-sac, ils ont foutu des barrières. Donc, bah, je sais pas, on va faire demi-tour et puis on va voir si,
Si on y va, ça doit être un complexe qui a été fermé. Donc, on va voir. Bon, c'est la merde parce que en fait, le demi-tour, ça se fait pas. Il y a des voitures de partout. Et du coup, j'ai essayé de manœuvrer pour quand même tenter le demi-tour, mais ça marche pas non plus. C'est ça qu'on avait vu sur l'application, qu'il y avait 2,5 km en marche arrière à faire. Ouais, il y a des... Lui, il a fait demi-tour, hein, sans problème. Ouais, lui, ça va, il est un peu plus petit. Into the box, tiens, on va regarder sur Insta. Et du coup, oui, on voulait voir pour... on se disait, à mon avis, les 2,5 km, c'est quand ils arrivent de la plus petite route en haut. Ah non, non, c'est bien ça. Non, non, ils ont bien dit. C'est vraiment un vrai cul-de-sac. Et c'est la merde, voilà. Donc c'est un gros bord de route et puis il n'y a pas de parking, il n'y a rien du tout. Donc on va faire de marche arrière et de toute façon, voilà. C'est... Pour l'instant, c'est 100, on va dire. Hein. Le cul ici, hein. Tu mets le cul là où je t'ai montré, hein. Je recule moi où je t'ai montré, moi, là, tu vois, à l'arrière du camion. Là. Ouais, dans le... Ouais, derrière, en fait. Ok, c'est bon. Il y a une voiture qui arrive. Attends 2 secondes. Vas-y. Là, t'es sur la marche, hein. Attention. C'est bon, pas beaucoup plus loin. Attention, attention à la marche. Oula. Non, arrête, 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 arrête. Vas-y, devant. C'est bon devant. Monte pas. Hein. Qui arrivait en plus, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Même il fallait que je re-avance et reprendre de l'élan alors que j'avais déjà monté une roue. Ouais, c'était. J'aime pas ça quand ça fait des. J'ai la rien après, c'était bon, il n'y avait pas de bordure, ça a pas frotté rien. J'aurais eu des ponts, oui. Mais les demi-tours avec un gabarit comme ça dans des rues étroites là. Ça va, c'était stable. Si par contre. Mais fais bon, vent, un peu de danger aux gens, merde. Ah ouais. Ouais, non, ah, c'était chaud. On a failli finir. On a coupé la circulation. Ouais, wow, ouais. En plein milieu. Très fréquenté. Ouais, les cerfs, ils pouvaient plus passer. C'était chaud. Les cerfs. Tu parles de cerfs. Bah, parce qu'ici. Ça sert pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah, par contre, le petit 4x4, là, ils ont dû faire demi-tour tranquille. Ah, bah oui, c'était. Là, il fait une box, là, je sais pas quoi. Oui, ça faisait une petite box, c'était mignon. Il était pas mal leur piqué. Bon, du coup, on va essayer, on va se tenter les eaux chaudes parce que clairement, on se dit que si on n'y va pas, on va rien faire. Non, non, mais on va rien faire avec ce temps de crotte, quoi. Donc, on va faire ça et puis on redescendra parce que clairement, on peut pas dormir là. On redescendra chez un autre spot un peu plus bas. Ça va nous. On aura au moins fait un truc en Grèce. Il est pas mal ce petit pépère là aussi. C'est Il est beau, hein. Mm.
Ça donne envie, hein. Regarde, c'est là qu'il faut payer. C'est là, c'est l'accès. En fait, c'est un espèce de spa abandonné, le complexe. Voilà, le portail. Et là. Il y a tous les locaux qui viennent. Et là, on ne sait pas du tout où on va parce que. Nous, on y va. Voilà. C'est dommage, hein, parce que ça devait être mignon à la base. Hein. On nous a dit, il faudra tout prix y aller. On nous a dit oui. C'est ici, les cyclistes qu'on a croisés. Oui. Ils nous ont dit, ah, vous allez par là, attendez, il faut faire, c'est trop bien. C'est... Bon, c'est un petit peu urbex. Ouais, c'est urbex, mais bon. Oui, c'était un espèce de complexe hôtelier, ouais, des thermes abandonnés. C'est dommage. Hein. C'est des sources d'eau. Oui, c'est des sources d'eau chaude. Oui. Ouais. Dis-toi qu'il y a plusieurs années, tout ça, t'as buvé les gens. Bonjour, bonjour. Non, il y a ça, il y a ça. Voilà, voilà. Ça va bien se passer. Ouais. Ouais. Ah. Apparemment, ça commence à sentir l'œuf. Et ça fume là-bas, on voit pas. Petite visite. Ouh, yeah. Ah, ça sent bien l'œuf, hein. Ouh. Oh là, c'est dommage. Si, c'est là-bas, regarde. Mmh. Ah ouais, rien que l'odeur, là, ça fait peur. Ouais, bah. Non, c'est pas là-bas. Oui, si, c'est solide. Il y a des termes là. Elle est chaude. En fait, c'est là que je peux venir. Ah ouais, mais moi je me baigne pas là. Hein. Hein, non, mais attends, t'as envie de mourir, tu vois pas le fond. Non, non. Si, tu vois le fond. Ah non, je préfère aller me baigner en pleine nature. Hein. Mais si, bah alors tu t'assois juste là. Regarde. Ah, j'ai pas de lumière. T'as envie d'aller te baigner? Mais non, mais il y a des trucs en pleine nature. Mais oui, c'est dehors, là, ici, on est tranquille, il y a personne. Allez, à poil. Ah, bah, ah non, non. Mais tu sais, c'est là dans Bones, après, il y a un macabre qui remonte. Ah oui. Hein? Ouais. Non, moi, j'y vais pas. Ah, bah, j'y vais pas. Hein. Mais on va aller voir dehors, non? Mais il fait froid dehors. Mais non, ça va être dans la voiture. Ça sent mauvais. Il y a tout plein de monde dehors, on va revenir ici. Non, mais s'ils se mettent pas là, les gens, c'est qu'il y a une raison. Hein. Ah, là, tu vois. Ouais, non, non, moi, j'y veux pas. Attends. T'es fou, toi. Il fait chaud avec des macarons. C'est pas c'est tout. Non, mais Loïc, il adore, quoi. C'est une bouteille contre le bouchon. C'est le bouchon, ouais, d'accord. Ah non, moi, franchement, ça donne pas envie. Hein. Allez-y, moi, je reviendrai là. Ouais, ouais, on va aller voir dehors, hein. C'est sérieux. Au pire, tu peux aller là. Au pire, on s'assoit ici. Là, on ça te dérange on va voir dehors avant. Hein? Je préfère me baigner en pleine nature. Ouais, on est plein de monde et tout. Ouais, on verra. Ah, mais c'est glauque, attends. Ouais, bon, bah là, ils ont fait pipi aussi. Bon. Ah, ouais, bah à mon avis, il n'y a pas que pipi. Non, mais attends, je suis sûre, il y a un macabre qui dort quelque part. Ah, mais je suis pas faite pour l'urbex. C'est l'urbex, hein. Oui, oui, bah. De chat, là. Ouais, t'es pas obligé de te baigner dedans, l'urbex. Non, attends, il y a encore les toilettes, tout. Non, 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 non. Bon, allez. On a vu la rivière, elle est chaude. Ouais, c'est la rivière. Bah oui, c'est une source d'eau chaude, mais oh, je préfère me baigner en nature, moi. Il est fou, lui. J'essaye d'avoir un petit accès. Pour aller à la rivière. Du coup. Bah là c'est bon, là moi je me baigne. Ouais, là ouais, moi je suis d'accord aussi. Ouais. Oh. Non, je sais pas. Il va falloir se mettre. Ouais. On va voir. Bon, en fait, c'est un peu galère. Il y a plusieurs sources qui se jettent dans la rivière. Le problème, c'est que le premier, on a commencé à descendre, tout ça, puis en fait, il y a quelqu'un qui nous a dit, bah non, on attend notre tour.
Ah, bah, y a de la place pour tout le monde. Parce que c'est le bassin pour, où les enfants ils ont le pied. Et bah, en fait, il y a juste des gens qui se prennent en photo. Et en fait, les autres, ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils attendaient qu'ils aient fini les photos. Donc on a dit, bon, c'est pas grave. Donc on est allé voir plus loin, sauf que le plus loin, ils se baignent à poil. Bon. Non, mais tout nu, tout nu. Hein, tout nu, tout nu. Sur le coup, je me dis, ah non, je crois qu'ils sont tout nus. Puis après, je suis, ah non, c'est un homme. Puis après, elle sort de l'eau, je suis, oh, bah si, bon. Ils faisaient signe, venez, venez. Ouais, mais non. Donc on va aller voir à l'autre duo. Si possible, sinon on ira se baigner dans le truc glauque à l'intérieur. Au moins, ça, ça fera des sensations fortes. Oh, bah, on rentre là. Allez. Normandie. Quand est-ce qu'on fait un truc sympa en Grèce? Sérieusement, il y en a marre. Là, regarde, ça continue là, le pont. Il est lourd. Oui, mais faut qu'on trouve où se jette. Là. Où se jette la source. On va regarder ça. Il y a 3 spots pour se baigner, donc il y a quand même pas mal de voitures. Donc, à mon avis, ça va être facile, facile. À l'intérieur, il n'y a personne, mais ouais, c'est un peu glauque. Du coup, nous revoilà arrivés au point de départ. Au point glauque. Ouais, au point glauque. Mais bon. Glauque, oui. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière et ça pue l'œuf. Il y a un interrupteur. Ouais, bah je ne sers à pas de l'allumer. Hein. Bah, en plus, il y a des trucs, il y a des gens qui doivent venir se baigner ici, il y a des poubelles et tout ça. Donc, bon. Puis il a regardé et on voit le fond quand même. On ne devrait pas mourir. Allez, où? Bon, bah une fois passé l'odeur d'œuf pourri. Et bah moi je dis ça va comparer à quand on était en mais... Oui, c'est vrai, mais on s'habitue, je crois. Clairement. Et par contre, elle est bonne. Mais. Ah ouais. J'avoue, j'y passerai pas la nuit. Et il n'y a pas de bébête qui vient de nous manger. Arrête, on sait pas. Des petites. On sait pas encore. Oh, c'est ah, ah, ouais, non, franchement, c'est. En fait, il y a un coin qu'on voit pas. Ouais, il y a un coin qu'on voit pas au coin là-bas, là. Au fond. Voilà. Et puis non, la vue derrière, c'est ça quoi. Clairement, il y en a un qui se pointe là, un psychopathe en haut des escaliers, on est tous morts. On est tous. Il y a pas d'issue. Ouais, c'est trop. Non mais là, c'est le pire truc. Ou dans les films d'horreur, on dirait. Mais non, mais va pas là, tu pourras pas sortir. Mais là, on y va tous ensemble. Et bah nous, on y va. Nous, on y va. Ah, c'est trop chaud là. Ouais, mais on est direct. Ouais, on est bien. Moi, je serais plus rassurée quand on sera en vie dans GG après ce bon marche. Ouais, mais profite de maintenant. Ouais, ouais, on profite de l'instant présent. Chaude sans mourir. On n'a pas fondu. Non, il y a un monsieur là, il attendait. Ouais, il attendait la place. Il attendait qu'on sorte. Donc c'est que il y a d'autres personnes qui se baignent. Donc, il va y rentrer. Hein. C'est pas super glam quand même. Mais bon, elle était bonne. C'est vrai que ça elles fait du bien. Peignoir et tout ça. Oui, ils viennent en peignoir, pantoufles. Bah, à mon avis, il y a des gens qui squattent ici. Ah, c'est ça, regarde. Voilà, ils rentrent. Ils rentrent. Ah, ils rentrent dans la. Je sais plus où je suis. Bref. Donc bon, tiens, bah, allez, on va reprendre la route et puis on va se trouver un spot un petit peu plus loin. Il y en a plusieurs. Regardez. On sort du spa. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il est refait. C'est bien, il va bientôt faire nuit. Oh non, il va pas tout faire si vite. Mais les essuie-glaces quand même. Oui, mais c'est du soleil en morceaux. Ouais. Du coup, on a fait demi-tour. Pour voir l'arc-en-ciel. Pour voir l'arc-en-ciel. Non, pour avoir des petits spots peut-être en contrebas. On va aller voir ça. On a trouvé le spot, ce qui est pas trop mal en soi. Bah, le seul souci, c'est qu'il y a encore 0-0 réseau et on a besoin de réseau pour ce soir absolument. Donc. Non, vous inquiétez pas, c'est Loïc. Non, du coup, on mange un bout tout ça et puis après, on va reprendre la route. On va essayer de se trouver un parking. Puisque normalement demain on reprend la route, on va descendre parce que là le temps c'est juste pas possible. On va vraiment descendre dans le sud de la Grèce assez rapidement pour pouvoir bénéficier d'un temps plus favorable, on va dire. Voilà. Et du coup ils se prennent en photo, ils sont mignons tous les deux.
Voilà, donc là, en fait, Gégé il est là. Il y avait la route qui passait juste au-dessus, là, comme ça. Bon, c'est pas grave. On va enquiller la route, on va essayer de trouver un spot. Parce que même pour trouver un spot, bah là, du coup, on n'a pas de réseau. C'est un peu compliqué. Donc, on va rouler un peu et puis on va essayer pas, quand même de pas s'arrêter de nuit. J'aime pas trop. Juste après, on n'a pas eu besoin de chercher longtemps, on a trouvé un petit spot. Oui, on est arrivé. Ouais. Et un spot, donc bon, je capte, donc comme ça c'est bon pour ce soir. Là, ouais. On n'a pas besoin de chercher. Une belle vue là. Et on a la mer. Ah, d'accord, on pourra appeler mamie du coup. On a la mer là. Ouais, bah vous pouvez commencer à voilà. Là. Donc le top. D'accord. On va pouvoir passer une nuit tranquille avec une belle petite vue, ça va être cool. Vous l'avez vu sur Maps? Et en passant sur la route, je me suis rappelé, il y avait une statue de lion là. Du coup j'ai le carré de toi, arrête-toi, faut quand même qu'on voit des trucs en fait. Bah voilà. Et si je le regarde de là. Feignasse, c'est là. Non, clairement le temps là, il est. C'est pénible. C'est... Mais je l'avais vu, ouais, j'avais commencé à regarder, à checker un petit peu tous les trucs à faire sur la route. Parce que ça m'énerve un peu de tracer dans le sens où j'ai l'impression qu'on passe à côté de plein de choses. Mais bah quand il pleut pour visiter, c'est pas facile. Là il pleut pas trop, c'est vraiment quelques petites gouttes et on est passé devant, je fais ah oui il y avait ça à faire. Donc du coup on s'arrête, mais je crois que je vais être toute seule à y aller, il reste tout au chaud. Eh bah si on est parti voir la statue, on dit non c'est bon il fait trop froid, bon on va aller un truc en pierre là. Les gamins ils sont sortis, ils sont en train de faire une photo devant. Eh c'est le moment de se casser. Ça y est, il nous abandonne. Vous croyez que c'est une blague? Je vous avais dit d'arrêter d'être casse-bonbon là, hein? Rigole. Tu le vois faire demi-tour toi? Il part quand même vachement loin. Hein. Il reprend même le pont. Il va revenir par là. Hein? C'est un pont, on vient de passer un pont. Eh, tu vas rigoler combien de temps? J'ai mon téléphone, mais c'est tout ce que j'ai. Hein. Il ferait même pas. Il serait perdu sans nous, tu crois? Oh oui oh, il a eu besoin d'un moment d'évasion, ça peut se comprendre. Ouais, on est en train de se dire qu'il serait parti, il serait pas parti comme ça. Il nous aurait laissé Nestor. Ou on va le retrouver plus loin, Nestor. Il va revenir de lui-même. Il va dire, merde, le chien, j'ai oublié. À ce moment-là, on l'entend. On l'entend. Je sais pas ce qu'il fait. Il s'amuse. Je sais pas la tête qu'ils ont fait, mais. Non, j'étais juste faire demi-tour en rond-point. Allez, on y retourne. Attends. Comment ils sont pas discrets? Je viens de les voir là. Ils sont derrière la statue. N'importe quoi, mais je vous ai vu là. Regardez. Attends, on va les voir là. Regardez, regarde, ils sont juste derrière. Regardez, hop là. Ouais. Descends ta fenêtre. T'as oublié de nous donner le chien? Hein? T'as oublié de nous donner le chien? Ouais, c'est pour ça que j'ai fait demi-tour. Bah oui. Il a envie de se promener, il est content. Bon, explication? Explication? Qu'est-ce qui t'a pris là? Vois, dis-le si on te saoule hein. Dis-le si on te saoule hein. Mais jamais je ferai ça. Et déjà je suis arrivé au rond-point. Je vais où? Je fais quoi? Et du coup j'ai fait le tour. Ouais. Il rigole. Oh, c'était marrant quoi. Tu paieras la psychothérapie à tes enfants.
Oui, le syndrome de la maman. De les traumatiser. De toute façon, tu serais pas parti avec le chien. Et puis de toute façon, sans maman, t'es perdu sans maman. Ah ben. Ah, psychothérapie au niveau. Ouais, c'est à toi qu'il va falloir en payer une du coup. Ouais, ah là là. Bon, c'est bon, t'as fait ta balade marrer, de liberté un petit peu là. On peut pas rigoler. Ouais, on fait pas ça. Hein.